Bonjour, je m'appelle Marie et aujourd'hui on va parler de mon rôle de mentor chez Open Classroom. Quand j'étais petite, je voulais être soit journaliste, soit archéologue et dans les deux cas, le but c'était de faire des recherches et de pouvoir raconter des histoires à partir de celles-ci. Le job de data analyst consiste à analyser des données et à les faire parler, ce qui n'est pas si éloigné de ce que je voulais faire quand j'étais petite. La mission d'Open Classroom est de rendre l'éducation accessible à tous. Les étudiants travaillent en autonomie à distance, ce qui permet une certaine flexibilité, mais il y a également tout un accompagnement humain au travers du mentorat, donc l'étudiant rencontre le mentor une fois par semaine, mais également de toute la communauté d'étudiants et de mentors qu'il y a autour. Il y a 15 ans, je me suis formée au développement web grâce au site du Zéro, qui est l'ancêtre d'Open Classroom, et qui m'a permis de faire une transition de carrière de l'agronomie vers le développement web. Aujourd'hui, je souhaite offrir cette opportunité à des étudiants en les accompagnant sur leur transition de carrière. Ce qui me fait vibrer dans le rôle de mentor chez Open Classroom, c'est de pouvoir accompagner mes étudiants, les voir progresser, et également leur apporter mon expertise métier, puisqu'il ne s'agit pas que de théorie, mais également de pouvoir appliquer leur apprentissage dans un cadre professionnel. Être mentor chez Open Classroom, c'est partager ses connaissances à la fois théoriques et pratiques, ce qui est extrêmement gratifiant, le tout dans un contexte humain et collaboratif. Et puis, c'est également l'occasion de se tenir à jour des dernières technologies. Open Classroom recherche aujourd'hui des mentors pour accompagner ses étudiants, aussi bien sur les sujets data, data analyse, data science, que sur les sujets de développement ou encore d'architecture cloud. Vous pouvez retrouver toutes les offres sur mentor.openclassroom.com.